Ok bro, je vais améliorer mes item sets et mes runes pour mes futurs solo queues, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de multigaming à faire. Alors, Trindamer, il faut supprimer. Voilà, c'est bon, je suis prêt pour les solo queues. J'ai supprimé la page de runes Trindamer et l'item set Trindamer, c'est bon. Let's go. Bon, j'espère qu'il va se passer des petites choses pour Trinda quand même. Ça reste peut-être le champion que je considère comme étant le plus fun à jouer du jeu. Donc j'aime bien quand il y a des trucs à faire dessus. Peut-être qu'ils attendent plus de data sur Trinda. Bah, tu sais quoi, je vais aller regarder. Ah bro, il n'y a pas un OTP dans tout le monde entier qui est Chal sur Trinda. Genre, en KRNAEU, il n'y a pas un mec qui est Chal sur le pick. Le mec le plus haut n'est même pas proche du Chal. Il est à 686 LP. Je crois que j'ai jamais vu le champion dans un état aussi à chier. Bah dans son état le plus fort, le perso était en méta Gale Force. Pas méta Kraken, méta Gale Force. En méta Gale Force avec Navori et IE à toutes les games. Genre Gale Force, Navori et IE toutes les games. C'était là qu'il était le plus fort. Actuellement il peut faire qu'un item des 3. Genre il peut vraiment faire qu'un des 3 en fait. Oh, c'est tellement vite Trinda TM. Et le plus haut elo, bah justement il joue Stride. Attends, je vais voir s'il joue Hellbreaker du coup. Je connais pas du tout le nom, je viens de découvrir. C'est un KR. Il fait Stride puis Kraken, je crois. Stride puis Kraken. Oh, j'ai trop envie de tester. J'ai le droit si le match-up est possible. Et si on perd, tu m'en veux ou pas? Non, franchement, ça va. Je suis trop Quoique, en curieux du vrai. nouveau Kraken. Ça m'a l'air popo, mais peut-être que ça ne l'est pas. Je sais pas s'ils ont augmenté les dégâts pour compenser ou si. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé en fait sur l'item, j'ai pas regardé. Je sais juste que c'est passé en dégâts magiques et que c'est plus un mythique. Est-ce qu'ils ont augmenté les dégâts, etc. Et ils jouent quoi comme page de rune? Ouais, ils jouent littéralement la classique. Ça Ah, a pas bah. changé. Bah, je peux pas jouer Trinda. Non, en vrai, c'est peut-être possible. Franchement, avec une Alors qu'il Sejuani. il va juste faire tabimaï du gardien. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que Non, je c'est fais vrai, contre j'avais un pas pensé Rammstop qui est à la à. fois un tank et qui achète tank J'avais et pas qui va pensé à mettre tabimaï du gardien. Rang-Douin et Tabi dans la gueule avec Trinda sur ses patchs? Je me questionne. En plus, Zanmata repique sa Vayne. Si, si. Aïe aïe aïe. Tu vas jouer quoi du coup? Tu vas jouer Trinda? Non, je sais très bien que je vais juste passer un mauvais moment. Je pense en vrai, Trinda, pour tenter la game, faudrait être dans des match-ups que je connais déjà très bien et qui sont déjà bons pour le pick, genre Olaf et Garen. Mais là, tester Trinda dans l'état du champion contre Gnar en plus, non, ça ira. Oh, j'aurais encore du pick Malphite! Straight avait promis Ah oui, non! de me dire! En vrai, ils avaient AD immobile, jungle AD, c'était l'angle de caillou. Après, je préfère avoir un Olaf avec ses Sejuani qu'un Malphite. C'est vrai. On va plus les exploser en 2v2. Il faut que je me rappelle qu'en solo queue, même quand tu as l'impression d'avoir l'angle parfait pour Malphite, Malphite en solo queue, c'est pas super. Bon, c'est pas grave. Olaf reste bien dans Gnar. Moi, je considère que c'est bien. C'est pas mauvais en tout cas. Sauf si vraiment il est excellent et qu'il go célérité. Ouais. Mais sinon, je trouve le match-up, ça va vraiment. C'est bien contre Jinx aussi. Je peux pas me faire ulti bard. Après, ça c'est pas forcément super parce que du coup, il peut me sortir des cibles qui reset mon ulti et les mecs sortent de l'ulti bard et moi j'ai plus l'ulti. Jarvan, c'est chiant. Mais s'il a utilisé son combo avant de me mettre dans la range, je le tue. Salut les gens, hier j'ai joué Gravestop, Rush Breaker. C'était fort, mais je me sens un peu mal. Je devais me confesser. Et j'y pensais justement. Les range top type Akshan Graves reviennent avec Hullbreaker ou pas? J'en ai vu aucun, Dieu merci. J'ai vu Adam qui le jouait, mais je sais pas si c'est méta ou pas. De toute façon, Adam il tente toujours des choses, donc c'est pas vraiment. C'est vrai que se baser sur les pros en solo queue, c'est jamais très révélateur parce que de toute manière les pros sont tout le temps en train de tester des trucs en solo queue pour trouver des trucs en fait. Ouais, il cook très régulièrement. Mais je pense qu'en vrai, c'est pas incroyable. Parce que vu que le Breaker scale très tard et qu'en plus sur les ranges c'est nerf, non, je Ouais, pense c'est vrai qu'overall ça. c'est pas top. Salut mon grand gaillard. Je me demandais, tu penses que notre héritage s'effacera dans l'éternité comme le vent souffle le sable du désert? Je me pose rarement la question, mais c'est une bonne question. J'essaierai de trouver la réponse au cours de la game. Ouais, elle a commencé avec un abatteur, il me chie dessus. Bon, c'est vraiment trop de la merde de start abatteur sur Gnar. J'espère que tu vas l'exploser. Ok, je lui retire sa plaque d'os. Oh, il est tout croquant, regarde sa barre d'HP. Mais tu sais, quand je vois un Gnar qui fait ça avec Garen, je l'all-in au niveau 1. Et souvent ça marche en plus, même contre des bons joueurs. S'il a les marques au niveau 2, ça veut dire qu'il a pas le dash. Ouais, alors, sauf s'il a pas pris le Q, mais ça m'étonnerait. Non! Je fais souvent cette erreur de la hache un peu trop collée sur la deuxième. J'ai perdu le ghost pour rien. Du coup, je peux commencer à venir, mais sans grande conviction. Je veux forcer son flash. Mais flash! Je crache la wave. En fait, j'avais oublié qu'il avait son petit gain de MS sur le dernier proc. Et oui, si je m'arrêtais pour jeter une hache, j'étais mort à 100%. Du coup, je Bon, lui ai cliqué dessus en espérant qu'il fasse un pas de côté à la fin. il a flash à la dernière frame ou pas? Non, même pas! Il a gardé son flash! Attends, je peux peut-être lui remettre. Attends que là. Oh! Oh! Oh, je vais être obligé de. Ouais. Ça enlève sa plaque d'eau, écoute, ça le fait chier. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'avance trop, mais c'est quand même pas punissable parce que c'est Gnar. Ok, là, je lui ai mis un vilain Wouah! trade! Je suis là, mais je pense pas que ça puisse. Oh, quoique. Je le slow. Si, si, j'aime bien, Il a j'aime bien. encore le flash. Il a pété un câble. Merde, il a touché mon stun. J'ai encore mon Q.
Voilà. Je vais plutôt prendre le plus de stuff possible et back. Enfin, dans le... T'as compris. En vrai, s'exprimer et jouer à LoL, c'est dur. Je ressens pas ça sur les autres jeux. Enfin, si, mais beaucoup moins. Sur LoL, je suis un t'as compris abuseur. Bro, et sa barre d'HP, elle est tellement croquante. Il a tellement pas de vie. Il est tout croquant. Il a 874 HP, c'est quoi ça? Je suis là. Je pense qu'on le tue. Allez, Ghost. Flip it, flip it, flip it, flip it. Oh, je vais au bout. Boum, 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 boum. C'est quoi ce placement? Voilà. Bien joué, bro. On a bien créé de l'argent. Création monétaire, effectué en top lane. Bon, quand je vais avoir le stride, ça va être plaisant, par contre. Non, j'avoue qu'en vrai, même pour la ace, le spike early est trop, trop agréable. Non! Je suis trop nul! FF! Non. C'est la fin! J'ai cancelé mon autre... Ah je le tuais, je mourrais pas si je cancelais pas mon auto-attaque, je suis trop nul! Ah, c'était parfait! Tout était bien! Stray, j'ai une douleur que je n'arrive pas. Je sais pas si je vais pouvoir la supporter. Force à toi, mon frère. C'était. Il récupère tout l'XP, toute la. Ce qu'il a le TP! Rien de tout ça aurait dû se passer! J'arrive. Je pense que sans si je push pas, c'est juste pire. Non, mais t'as raison. Ah, c'était pas un blâme, bro. C'était pas un blâme. C'est juste. Je prenais conscience de toute la crotte que ça crée, tu vois. Ouais. Oh non! 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 Oh le camp! Non! Non! Ah, dans le chat, apparemment, la Jinx en face, qui est le Aphelios de la game d'avant, apparemment, ça se plaint qu'il script. Ah, c'est vrai que cette distance de sécurité était sacrément parfaite, quand même. Bon, je t'ai dit, les dodges qu'il mettait sur mes ultis qui touchaient quand même, c'était trop obvious. Genre, en fait, il s'appliquait pour dodge un truc qui allait forcément le toucher. Ça puait trop, le script. Pourtant, je me plains rarement des scripteurs et j'accuse rarement, mais là, ça puait trop. Ah, oh le problème, c'est que ulti, la Jinx, c'est risqué, quoi. Oh, je crois que Pandore a pété un câble. Bon, j'ai un contre-coup là, je viens de vider trop d'énergie vitale en peu de temps. C'est pas assez trop de choses. Bon, il y a un travail de groupe à rendre, il y a un TPE à faire. Oh oui, oui, oui. Bon, je travaille. Attends, c'est quoi ce placement? Non, mais on est où là, sérieusement? Attends, mais lui, attends. Lui, il faut y aller, je crois. Bon, je crois qu'il va falloir y aller. Je contourne. Touché. Je crois qu'il faut pas s'arrêter, bro. Non, je crois qu'il faut vraiment y aller, bro. Non, ça recommence. Ok, c'est bon, ça va failli recommencer. Je vais reset, j'ai lu le breaker, je veux les bots. Mais la Jinx, je me fais de l'œil et j'ai le ghost. Puis je m'en fous qu'elle script. J'arrive à toute vitesse, je lui mets un stride et elle peut plus éviter. Attends, regarde. Attends, vas-y, j'arrive. Je tends bien, là. Oh, oh. Non. Putain, tu l'exploses. Non, 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 non. Non, je l'ai pas explosé, c'était faible. Il a pas d'ult, hein. Oh, ouais, ouais, ouais. Ok, je pense que l'action est trop, trop bonne. Allez, on part. Oh, mais Brand, ce placement. Oh, je l'aurais bien sauvé, mais... Qui a bait le Brand dans cette action? Après, à lui de connaître ses limites. Oh, on est où, Brand, là? Ok, j'ai l'ulti dans 10. Ils sont attirés par Pandore, regarde-les. Attends, mais... Ah, d'accord, je pensais qu'il avait passé le truc. Oh, oh... En plein chemin actuellement. Ok, faut que je le... Je casse une ping par égoïsme. Attends, y'a moyen de le protéger, je te jure on le protège. Ouais, t'as lu. Ok, là ça devient compliqué. Ok, je viens vers toi. Putain de merde. En vrai, y'a un monde où si tu descends... Ah non, je pense que t'es mort avant que j'arrive. Ah, j'aurais pas dû prendre le zap. Après, j'ai confiance en Swain. Le fait de prendre le zap, ça fait que je prends le combo du Jarvan et... C'est vraiment un mec énervé, le Swain. Et Swain, c'est toujours fort depuis son buff là? Bah, je sais pas, j'en vois pas, mais à chaque fois que je vois Gadolfura dessus, il explose la game. La Jinx, c'est pas très bien scripté sur l'action quand même. T'es sûr que moi, Orvan, je l'ai ressenti. Je pense qu'il faut dive le Aurélion. Je pense que c'est la seule option. Oh! Oh! Oh non! Non, du coup, attends. La tour, c'est un peu terrible. Ok! Putain! J'ai cru que j'allais pouvoir plus régène que ça. Attends, je peux les flank par leur base? Moi, je peux de tempo, honnêtement. Je suis encore en vie pour longtemps. Je crois qu'ils me tueront jamais, d'ailleurs. Bah, si ils te tueront jamais, je me permets de prendre la wave. Ou alors, je prends la base. Non, franchement. Ouais, prends la base. Bah, écoute, je prends la base. Tu peux aller les embêter? C'est ce que j'allais dire, ouais, je vais cancel le recall. Va les enquiquiner, j'ai une stratégie élaborée là. Bon, ça a pas touché, mais c'est pas grave. N'hésite pas à les enquiquiner, je suis sur une stratégie assez poussée là. Bah, ils sont en train de me chase, bro. Enfin, il y en a deux qui me chase. Peut-être un troisième, je sais pas. J'espère que ta stratégie fonctionne, bro. Je crois que t'es en plein sol là.
Mundo aurait fait la même. Je peux pas m'empêcher de dire ça à la fin de toutes mes actions avec Olaf. Bon, il a fait quoi? Bah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Y'a le Drake qui a joué la forêt Z. Vas-y, Pandore! Oh! Pandore se fait turn! Pandore, tiens bon! Oh, Pandore a counter Jarvan, il la stun dans sa propre arène. Putain! Attends, j'arrive et je pense qu'on peut réellement tous les tuer. Mais va falloir un drift excellent sur la Jinx. Objectif, toucher un Skipter. Ok! Ok, je mets un air dans okay. Je sais pas à quoi ça sert. Ok! T'as vu ce qui s'est passé ou pas? Ouais, j'ai vu. Oh putain de merde! Olaf Gaming! Mundo aurait fait mieux. Oh non, je ne vais pas être sur la photo de fin. Non, il y avait pas assez de défense. En vrai, il y a eu trop de folie dans cette game. Très 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 belle last. J'ai vraiment cru que j'avais claqué mon Z trop tard et que ça allait me faire mourir. Oh! Oh, bah, oh! Toi aussi, tu l'as eu? Oui, je pense que... Attends, t'es en train de me dire qu'un scripteur était également quelqu'un de toxique? Jamais vu. En général, quand tu croises des scripteurs, c'est des mecs sympas, ils se comportent bien et tout. Bon, bah les collègues, ça m'a fait plaisir de rejouer à League of Legends. Salut à vous.